Commune de Paris, place de la Commune de Paris, dans le 13e arrondissement. Pour rappeler ce qu'était la Commune de Paris en 1791. Aujourd'hui, comme chaque année, au mois de septembre, nous organisons cette fête sur cette place que nous avons réussi à faire appeler place de la Commune. Aujourd'hui, nous pensons que le pouvoir au peuple, c'est une formule qui nous convient bien, comme l'avaient voulu les communards. Que le peuple puisse donner son avis, qu'on l'écoute, qu'on prenne en compte ce qu'il a à dire. Et nous demandons la réhabilitation des communards, qui sont malheureusement toujours considérés comme des bagnards. Que réclamant républicain, que réclamant républicain, la liberté du genre humain, la liberté du genre humain. Le floc dans les cachots, la fourche dans les châteaux, et la paix aux chaumières, vive le son, vive le son, et la paix aux chaumières, vive le son du canon. C'est bien agréable de rassembler les gens qui ont cette sensibilité de gauche et puis aussi cette sensibilité artistique qui est les valeurs de, la, de fraternité, de convivialité. Demain, il faut manifester par rapport au contrôle traité d'austérité. Alors, il faut, se mobiliser. On sait bien qu'on n'aura rien sans rien. Quoi. Et du pain pour ses frères, vive le son du canon. Que faut-il aux républicains? Que faut-il aux républicains? Amnistie en français veut dire oubli. Et nous ne voulons pas de l'oubli sur la période de la Commune. Et nous voulons que les communards condamnés, ceux qui ont donné leur vie aussi pendant la semaine sanglante, soient réhabilités comme des gens qui ont permis l'installation de la République et l'exercice de la démocratie. La question du détonateur se résout en un quart d'heure. Celui-ci sait qu'on est 40. Pour ce qui est de la bombe, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche à temps. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant 10 jours, tâchant avec nous d'améliorer le modèle. Quand il rentrait à la maison, il mangeait non de l'eau, ça souffre vers lui seul. On voyait à son air féroce qui tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, la tourneau qui soupire et qui s'écrit comme ça. Que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est venu de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma pompe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui m'en fout, c'est toute la terre qui gronde. Bonne saison pour les volcans, on va faire sauter le monde. Cramponnez-vous, tout volcan. Thank you.